Bonsoir à toutes et à tous, 19h, magie, jazzy, on y va. Comme tous les samedis, on se retrouve, bien sûr. On est rendu quand même à la 325e vidéo. Et franchement, merci beaucoup d'être là, de me suivre, d'être toujours présent et de me soutenir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais aussi vraiment vous remercier du fond du cœur. Vous êtes venu me voir à la Comédie de Paris, mardi. Et franchement, c'était génial. Merci à vous, c'était top. On s'est éclaté. Voilà, il y avait du beau monde dans la salle aussi. Bernard Bilis, Jean-Jacques Sanvert, les Blackfinger, Pierre Spiry, Gabriel Warren. Enfin bref, il y avait plein de monde et c'était super, super chouette. Ce soir, je vais vous parler d'un livre que vous connaissez, Minimalistica de John Carré. Vous connaissez sa magie, simple, efficace, mais là, dans ce bouquin, il a invité des guests. Et là, c'est un tour de Paul Gordon, ça s'appelle Enterrer les As. Donc une façon vraiment très très clean de perdre les As dans le jeu et de les retrouver avec un impact très très fort sur le public, et je suis sûr que certains magiciens vont se poser des questions. Bon, si cet effet vous intéresse et si le bouquin vous intéresse, je vous mets des liens dans la description vers CC Magic, CC Edition, et puis tout ce qu'il vous faut, les promos, etc., vous allez trouver tout ce qu'il vous faut pour faire de la magie, bien sûr. Lui et Jeu nous propose ce soir Cire. Alors, un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans, les parties durent en moyenne 20 minutes. Les plus du jeu, eh bien c'est un thème médiéval très léger qui ravira toute la famille. Ensuite, le concept, il va falloir deviner en fait les intentions des autres joueurs en ne choisissant des lots de cartes qui n'intéressent que vous pour récupérer un maximum de cartes. Et puis enfin, on marque des points en milieu et en fin de partie, ce qui permet de changer de stratégie et de s'adapter. Si vous voulez en savoir plus, il y a une vidéo complémentaire dans la description, sinon www.guyajeu.fr, les boutiques, elles sont toutes là. Au niveau de mon actu, n'oubliez pas, on se retrouve à la Maison de la Magie durant toute la saison, de toute façon les dates sont dans la description. Bon, je ne m'attarde pas plus longtemps, je vous laisse avec ce tour de Paul Gordon, Enterrer les As, en vous souhaitant à toutes et à tous un très bon visionnage, un très bon samedi soir, et je vous dis bien sûr à la semaine prochaine. Bon alors ce soir, comme on a décidé d'enterrer les As, eh bien il va évidemment falloir les retrouver. Ok, on y va, donc jeu de cartes, très bien, mélange un petit peu, voilà, voyons voir, première race, ok, le deuxième, juste là, nickel, on va essayer de se retrouver les deux autres, d'accord, le problème c'est quand on retrouve les deux autres, on perd les deux premiers, alors, je vous rassure, c'est pas un problème. Hein. Si on cherche, on a quelques cartes ici. Mais voilà, c'est pour faire apparaître le premier as rouge. Et puis, quant au deuxième, on va essayer du milieu du jeu, juste là. Tac. Et là, eh bien, on se retrouve évidemment avec les quatre as. Parfait. Donc, comme je vous l'ai dit, on va, voilà, on va enterrer les as dans le jeu. Ça, c'est assez rigolo. On va se les placer comme ça, tiens, allez, on va se faire piqueur, trèfle, carreau, hein. Voilà, un petit peu en ligne, parfait, et puis on va, en fait, on va mettre des paquets, enfin, quelques cartes, comme ça, sur, enfin, en face chaque paquet, d'accord, parfait, voilà, toc, toc, alors normalement j'ai un spectateur qui coupe un petit paquet de cartes, comme ça, on lui propose de, regarder, on enterre le premier as, comme ceci, d'accord, voilà, d'accord, toc, on remet des cartes. Et vous voyez, c'est vraiment, mais vraiment perdu très clairement et très nettement. Ok, parfait. Donc, on égalise bien. Les as sont vraiment perdus dans le jeu. Donc ça va, c'est honnête. On coupe. Et en coupant, on va prendre les cartes coupe. Alors on a un 9, un 10, un valet et un 8. Ok, eh bien écoutez, vous savez quoi, on va mettre des cartes qui correspondent au nombre à chaque fois devant chaque carte. Bah, c'est-à-dire que là on a un 9, on met 9 cartes. D'accord, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord, 10. Eh bien, 10 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, valet, pour ceux qui ne savent pas, mais on compte 11
et pour votre culture, voilà, magique, pour les autres, eh bien, quand c'est un valet, on compte 11, voilà, pour une dame, on compte 12, et pour un roi, on compte 13. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et puis enfin 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Parfait. Alors, on égalise. Moi, c'est pas moi hein, qui, du coup, ai retrouvé des cartes. En fait, c'est plutôt grâce à ces cartes-là. Et normalement, si on vérifie, eh bien, ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà. Merci beaucoup. Belle soirée.